Oui, Fury, c'est Kevin. J'ai voulu suivre tes conseils et j'ai voulu acheter sur AOE.com, mais j'y arrive pas. Mais oui, Kevin, calme-toi, c'est normal. Tu vas sur EpicGames.com, tu te connectes, onglet Mon compte, puis mot de passe et sécurité. Et là, tu as juste activé l'authentification à deux facteurs. Une fois que c'est fait, c'est bon, tu as accès à tous les items sur AOE.com et tu peux te faire plaisir. En plus, t'as 6% de réduction avec le code Fury. Allez, vas-y, Kevin, hein, parce que là, elle craint ta Octane. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à utiliser mon code créateur Fury_off dans la boutique. C'est vraiment un soutien de fou. Donc, merci à tous les frérots et à toutes les sœurettes qui l'utilisent, vous êtes vraiment les boss. Allez, bonne vidéo. Ça cherche les bumps, ça cherche les bumps. Oh la vision, je sens le mojo qui revient les amis. Je crois il vient de spawn. Alors tu sais quoi, on est en condition, tu dois la refaire en anglais là, tout de suite là. Là je suis extra là, je pars, la com, qu'est-ce qui part dans le micro? Je lui dis... Is low. Ok. Ok, très bien. Merci. Is low. Et là, il se dit. Et j'ai répété genre trois fois. Je dis is low. Hop. Et là, il. Oui, parce que Monkey Moon le refait, mais c'était plus genre is low, fils de pute, tu as pas son pain. Ouais, voilà. C'était plus dans ce sens-là, mais bon, il a enlevé des mots. Il a retiré des mots. Extra s'est senti en confiance, bien évidemment. Par contre, Garrett G, il ghost touch. Hein. Ouais, gros clear. Mais par moment, il y a des petits moments de génie. Par moment, le SSL que je suis revient et dit hey, oh oh. Là, tu me la mets celle-là. La magie revient en moi. Ça y est, le talent du coach de retour. Le MVP de ce match selon toi, Monkey Moon, de la finale. Alors déjà on n'en sait pas plus et en plus tu m'as enculé les tympans. Très bien. Oh non, là, attention, poste de compétition. C'est quoi le programme là? Tu vas chill? Vous allez comment tu vois les semaines qui arrivent? Je pense qu'on va chill pour Noël et le Nouvel An, tu vois, comme tout le monde, je pense. Puis, Nouvel An, tu veux le faire avec moi? Non, pas forcément. Aïe. Quoi, ce que tu dis en DM et tout? Quoi? Hein? Allô? Mais je pensais que c'était. Non, mais je sais pas, tu m'as dit ouais, j'aimerais trop. Privé, non, mais. Comme t'es mon étoile, voilà, tu m'as dit en haut du sapin, c'est pas toi que je veux, c'est pas une étoile que je veux mettre, mais c'est toi. Enfin, tu me disais des trucs comme ça. Et là, en public. Non, mais je vois. Double discours. Non, mais double discours. Yo le fuf, t'as pas un leak du lieu du prochain major? Et si mon bro, c'est dans le cul de ta grosse daronne? Non, j'ai aucune information. Désolé, mon Yukis. Oh, mon Yuk, ça va? C'est une vanne, hein? J'ai pas les mots. Ça va, je rigole, mon Yukis. Mais non, je n'ai pas d'information du lieu du prochain major. Et vous savez que je vous dis toujours la vérité. Si je savais, je vous dirais, je le sais, mais là, je le sais vraiment pas. J'ai une voiture, c'est une baie vitrée, wesh. Elle est transparente. Hop, c'est fake ici. Comme ça, s'il y avait un mec derrière, bah, il allait pas la jouer. Je viens de faire un truc exceptionnel, les refs. Vraiment, je vous le dis, la défense là, elle était folle. Oh. On est dans un elo. Non, mais quand je vous dis que c'est une catastrophe cet elo et que vous me dites, non, Fury, s'il y a des jours sans. Non, les amis, je vous dis, je suis exécrable. Mon niveau en ce moment, il est infernal. Je suis dans un elo, il est effrayant. Il est effrayant, ce qui vient de se passer, c'est effrayant, les amis. Je vous jure, c'est effrayant. Souhou ! Oui, papy. Oui, il y a beaucoup de monde qui disent que l'e-sport, c'est trop facile, t'as rien à faire. Mais qui dit ça? Tu te réveilles à 11h, mais il y en a beaucoup. Et tu te lèves à quelle heure, toi, Monkey Moon? Moi, entre 11h et midi, quoi. Ah, c'est catastrophique. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Moi, je vais me barrer, moi, c'est bon. Je reviens plus, moi. Non, non, bon. Vraiment, en vrai. Je comprends tout à fait.
Yo Fury, excuse le retard, j'ai pas eu la notif. Eh ben, c'est la dernière fois. Hein. Là, je te mets pas un mot dans le carnet cette fois-ci, mais attention à toi. Non, mais les mecs, les notifs, c'est bugué. Nous, quand on va à Paris, en tant que Français, on se dit, il y a la colline du crack. Les étrangers, ils se disent, il y a la Tour Eiffel. Ils ont pas la même vision de Paris. Donc, il y a forcément des gens qui vont dire, oh my god, Paris, je vais manger le pain au chocolat devant Tour Eiffel. Tu vois, il y a des mecs qui vont dire ça. Alors qu'en fait, il y a des mecs, t'as pas une pièce Tu vois, ils sont comme ça, mais voilà, ils sont pas. On n'a pas, donc ils viendront. Ça se pique en bas de la Tour Eiffel, là. Ça va arriver à Châtelet, frérot. Ils vont arriver, là, les touristes, là, des RLCS, ils vont être là en mode, là, tous les mecs d'Epic Games et tout, ils vont être là à Châtelet. Oh my god, it's so amazing. Look at the, oh yeah, the restaurant here. Et il y a un gars, il va arriver à faire, est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Tu vois, et là, ils vont dire, ok, on plie bagage, on retourne à Amsterdam, on va en Espagne. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ils vont arriver, ils vont dire, elle est où la salle? Excuse me, sir, where is the, hein, the park des expositions? Et on va dire, en bas là, en bas là. Tu vois, ils vont dire, allez, c'est bon, arrête, qu'est-ce que c'est que ce pays, tu vois? En fait, voilà, il faut pas qu'ils passent par Châtelet, les mecs de d'Epic Games, parce qu'ils vont se dire, jamais on vient là, c'est des tarés, tu vois. Généralement, les gens disent que ça sert à rien de tryhard, ce sont des gens qui ont aucun skill et qui sont assez médiocres dans la vie de tous les jours. Très violent. Très violent comme constat. Vraiment, j'en étais pas du tout là, mais j'ai senti une pointe de rage dans ton discours, mon très cher ami. Ah ouais, il est les mots moteurs, hein, le ref. Hein. Les gens qui tryhardent pas et qui disent ça, vous êtes des grosses merdes au plus du cul. Ah oui, oui. Oh la chatte! Oh la chatte! Non, après, j'y suis allé, je l'ai travaillé au corps, lui. Allez, vas-y, Killio. Let's go! Ça passe, le fuf! On a du mal à cadrer, mais tranquille. C'est une bonne frappe, quand même. C'est un bon travail. Bon, je vais rejouer Fennec après, hein, si on veut reprendre des points. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Oh mais c'est moi qui en fait l'ai lancé sur lui quoi. J'ai même pas fait gaffe. En fait c'est moi qui l'ai bombé sur l'autre. Putain je suis trop un boss. Oh j'y suis allé au talent. Oh j'y suis allé. Là j'ai marqué à l'aide de mes compétences. Oh pff. Ok, une petite bannière. Ok, bon, bah, écoutez. Chien, à chaque fois que j'achète un objet. J'aimerais bien que ça. À chaque fois que j'achète un truc dans un. Je dirais putain. C'est relou, franchement. Chaque fois que je suis un gros. Thank you.